Peggy 16. Les tempêtes de feu se propagent. La montée des eaux a ravagé 50% des ports de commerce et menace l'approvisionnement alimentaire. Les migratoires ont atteint un niveau critique. C'est la plus grande crise de réfugiés de l'histoire. En s'écrasant, les satellites ont provoqué une panne mondiale des communications et des systèmes de navigation. La Russie et les États-Unis s'accusent d'avoir provoqué le blackout. Enfin, des nations d'attiser la haine contre les sans-patries dans un conflit toujours plus intense. Ces sans-patries, comme ils ont l'habitude de se faire appeler, forment l'une des plus grandes factions au monde. Ils ne luttent pas pour une nation, mais pour leur survie. L'informateur est arrivé. Merde ! Embuscade ! Il nous faut absolument cette mallette. On compte sur toi, capitaine. J'aimerais bien savoir pourquoi je risque ma peau. Je n'ai pas pour habitude de m'expliquer. Fais chier. Ah, te voilà. Ayrish, sale traître. Il te paie combien, ces sans-patries, pour trahir ton pays? Je suis loyal envers les réfugiés de ce navire. Et t'en fais partie, désormais. Ayrish, les troupes d'eau sont à 20 km. Faut que tu vois un truc. Écoute, si tu files cette mallette à Oz, ces putains de terroristes vont déclencher une troisième guerre mondiale. C'est ce qu'ils disent à chaque fois, Pac. Tu peux choisir de croire à ces conneries. Mais moi, je sais pourquoi je me bats. Papa ! Papa ! T'es revenu ! Oui, comme toujours. Hé, hey, j'ai quelque chose pour toi. C'est qui, lui ? Personne. Retourne en bas, maintenant. Ça suffit, Rao. On nous paie pas pour fouiner. Je sais. Mais je peux pas ignorer ça. Une arme expérimentale américaine va s'écraser à ses coordonnées d'ici 36 heures. Ils comptent bien récupérer leur sale petit secret. Mais si la Russie s'en empare avant, une guerre risque d'éclater. Bordel. On peut pas laisser Starry mettre la main sur ses coordonnées. Pakoski avait raison. Oz et ses hommes seront là d'une minute à l'autre. Il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il cherche. Il y a des civils à bord, et on manque de bras. Je pense qu'on n'a pas le choix. Foncez droit sur cette tempête. C'est une catégorie 5, monsieur. Non. C'est le meilleur atout qu'on puisse avoir.
Ils ont dû comprendre que le marché est annulé. Prends la barre, Rao. On se touchera pas à ce navire. Irish, cette tempête va nous tuer. Cette tempête est notre putain d'allié. Cette guerre, des millions de sans-patries vont mourir, des innocents. C'est le prix à payer pour un nouveau monde. Non ! Le seul moyen d'arrêter cette guerre, c'est de passer à l'action. Passez le message à tous les sans-patries qui écouteront. Un pacte à doigt dans 36 heures. Soyez prêts à vous battre!